Dur dur pour Hélène de Fougerolles de se lancer en voiture sur l'autoroute. Heureusement, l'actrice a trouvé une solution pour se donner un peu de courage. Sortir ses plus belles émotions sur un plateau de tournage, voilà qui est totalement dans ses cordes. Hélène de Fougerolles a pourtant une faiblesse, la conduite. Pour autant, la comédienne a décidé de sortir de sa zone de confort en se lançant un sacré défi au volant. Le 22 juin 2023, elle a effectivement roulé, à bord de son véhicule, pour la première fois sur une autoroute. Avec une peur incroyable au ventre. Courageuse mais pas téméraire, elle a compensé cette frayeur redoutable à l'aide d'un produit miracle. Ce jour-là, avant de tenter l'aventure, Hélène de Fougerolles a effectivement publié une vidéo, sur les réseaux sociaux, pour partager sa panique. Bon ça y est, je vais prendre l'autoroute toute seule pour la première fois de ma vie. Je suis terrorisée, explique-t-elle la voix tremblante. J'ai déjà bu une bouteille entière de Rescue, une fleur de Bac aux vertus relaxantes, note de la rédaction. Point pour ceux que j'ai aimés, je les ai aimés. Pour ceux que j'ai pas aimés, je les ai aimés aussi. Voilà, à mon enterrement je veux qu'on chante, qu'on danse et qu'on boive des mojitos. Sinon si est-il pas drôle. Adieu, j'ai tellement peur. Ça va aller. Sur son compte Instagram, Hélène de Fougerolles avait fait ses adieux, au cas où, à ses followers. Il ne s'agissait heureusement que d'un au revoir. Dès le lendemain, la comédienne, ancienne héroïne de la série Balthazar, a donné de ses nouvelles pour rassurer tout le monde. Et il semblerait qu'elle s'en soit sortie comme une chef malgré la pluie et le passage d'un convoi exceptionnel. Il n'est pas mouru l'année. On attendra pour l'enterrement. Merci pour votre soutien. Ça m'a aidé de faire la vidéo au début et de penser à vos soutiens. Et oui, auto-hypnose et la voiture blindée d'ange gardien, a assuré la maman de Shanna. Crispée sur le volant, grosse respiration, hyperventilation, prière et encouragement à haute voix. Allez ma vieille. Ouf.